J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronne. Pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Voilà notre rouet qui part à la chasse. Passez-moi mon fouet, incapable. Mon chapeau. Une seconde, Hélène, j'en ai pour une seconde. Vous avez un certain style, Marquis. Et à l'épée, comment vous défendez-vous? Mais enfin, dites-lui de se tenir tranquille. À l'épée, mais Hélène, je suis une fine lame, j'ai plusieurs bonnes secrètes. Et à la danse? Oh, là, je suis un fin soulier. La gigue, menuet, je danse de tout. Eh bien, voyons à la course à pied. Enfin, attendez. C'est à ce pantin que vous voulez marier ma fille? Mais, monsieur l'amiral, il a de nombreuses terres. Vos guerres ne nous ont rien rapporté. Notre fille, nous l'avons éduquée l'épée à la main. Je lui vois un mari de taille, un homme de guerre. Souvenez-vous quand j'étais jeune. Quel nous offre le roi ce soir? Je ne sais pas, un certain Molière. Pff, le théâtre, la guerre, oui. Un fond tournoi. Ça, c'était une époque. Allez, poussez-vous un peu. Aïe! Mon pied! Départ aujourd'hui pour Fontainebleau, où nous devons donner la première de l'école des femmes. Mais je vous avais demandé 6 calèches. Mais c'est mon cousin. Les calèches sont à lui. Eh bien quoi, votre cousin? Ah, il ne veut pas. Il n'aime pas la forêt. Mais quel rapport, la forêt? Le roi nous attend à Fontainebleau. Ah, je sais, monsieur Corneille. Il a peur des brigands. Le bandit Clochette, vous connaissez? Je ne m'appelle pas Corneille. Et puis, où vais-je me mettre? Oh, je peux vous faire une petite place à côté de moi. Vous me raconterez vos pièces. Et moi, je monte où? Toi, tu montes sur ton âne, Quentin. Tout le monde est là? Comment non? Armande, où es-tu? Mais si, je suis là. Le bandit Clochette, vous connaissez? Mon cousin m'a prévenu. Moi, je vous protégerai. Vous verrez. Allez!
Cette fois, je le tiens. Mais de l'autre côté, ce n'était pas mal non plus, vous savez. Comme ça, c'est mieux. Oh, c'était pour vous divertir. Vous me pardonnerez cette petite fantaisie. Vous avez l'air douteuse, Hélène, mais souriez. Après tout, nous allons nous marier. Si nous rattrapions la chasse, un peu de galop vous donnera meilleure mine. C'est une très bonne idée. Mais le trot n'est-il pas plus divertissant? Non, non, le galop. Hélène, au secours! Au secours! Laissez-moi, mais qui êtes-vous, monsieur? Clochette. On m'appelle Clochette. Non, ne me faites pas de mal. Et toi, quel est ton nom? Je suis le marquis de Vallombreuse. Mais comme voulez-vous? Enchanté, cher marquis. J'ai le cheval. Maintenant, il me faut la bourse. Enfin, un adversaire à ma taille. Et quel adversaire? Bandit de pacotille! Vous attaquez un homme à terre. Défendez-vous! Hélène, Hélène, il va vous tuer. Donnez-lui ce que vous avez. Une femme doit suivre les conseils de son mari bien-aimé, madame. Si j'avais une épée, vous ne feriez pas la fière. Marquis, votre épée, je vous prie. Hélène, vous n'allez pas vous battre quand même. Dépêchez-vous, marquis, ou je vous coupe les oreilles. Ah. Tenez. Alors, garde. Oui, oui. Et puis d'ailleurs, vous êtes ridicule avec vos clochettes. Ah, ça, madame, vous n'auriez pas dû. Il a raison, madame, vous n'auriez jamais dû. Oh, belle attaque, marquis. Bravo! Vous vous défendez à merveille. Mais attaquez donc, je sais me battre. Oh, jolie botte, marquis. Un, deux, et... Oh. Brigand. Arrête. Oh, madame, madame. Mon Dieu, elle est évanouie. Aidez-moi, marquis. Non, non, ce n'est rien. Oh, et tenez bon, Hélène, je reviendrai avec les armées du roi. Courage. Je vous attendais, monsieur. Enlevez-moi. En général, c'est moi qui décide de ces choses-là. Mais mon père vous donnera une bonne rançon. Alors je vous enlève, madame, mais je ne vous rendrai pas. Mais où m'emmenez-vous? Dans la tanière de Clochette. Chez les brigands, madame. Hein? Oh. 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 Le butin de Clochette. Oh. Eh bien, frères de la forêt, ne restez pas comme des souches. Vous n'avez jamais vu une femme? Ouvrez les tonneaux, à boire, à manger, c'est la fête! On voit trois calèches pleines de trésors. Oh, oh, allons-y, allons-y, oui. Je vais venir aussi, Clochette. Tu sais, j'ai appris à me battre. Non, 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 je te confie cette dame. Attention, c'est une princesse. Tu l'appelleras madame. Rapportez-moi quelques robes si vous en trouvez. Et tous les bijoux de la terre. J'espère qu'elle sait faire la vaisselle. Elle sait aussi corriger les petits brigands.
C'est par ici qu'on les rencontre. Vous saurez vous en servir? Il suffira de leur parler. On fait plus avec des mots qu'avec un gourdin. Tenez, en voilà un. C'est sûrement un piège. Attention, arrêtez-vous. Mais arrêtez-vous, vous dis-je. Le pauvre homme, dans quel état il est? Je ne vous écoute pas, c'est une ruse. Je vous dis que mon cousin m'a prévenu. Oh, oh! Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Alors, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe? Les bandits, c'est une attaque! Les bandits, je les ai vus, ils étaient 15. Je me suis battu comme un tigre. J'en ai au moins tué 10. Et blessé 18. Et il y en avait à droite, il y en avait à gauche, il y en avait derrière. Mais je me vengerai. Je les ai tous mis en fuite, derrière, devant, ils étaient partout. Ça, c'est vrai, je vous... Calmez-vous, brave homme, on va vous prêter un habit. Un bon coup de gourdin, oui, je vous répète que c'est une ruse. Apportez-lui un de nos vêtements. Nous allons à Fontainebleau, monsieur, si vous voulez vous joindre à nous. Volontiers, mais je me vengerai. Allez, tu Lupin, plus vite, on les rattrapera jamais. Ceci est une attaque. Si vous vous rendez, il ne vous sera fait aucun mal. Je vous l'avais bien dit. Elle était belle, votre ruse. Arrêtez, arrêtez! Nous ne sommes que des comédiens. Nous sommes aussi pauvres que vous. Ce ne sont que des costumes et des décors de théâtre. Tout est faux. Arrêtez! Comment vous appelez-vous, monsieur? Jean-Baptiste Molière. Je voyage avec ma troupe. Nous devons jouer la comédie devant le roi. Très heureux, monsieur Molière. On m'appelle le bandit Clochette. Ne leur faites pas de mal! Mais il me semble que c'est notre cher marquis de Vallon. Vallon comment? Bruse, monsieur Clochette, Bruse. Marquis de Vallon, Bruse, toujours en première ligne. Vous vouliez vous venger, je crois. Oh. Épargnez ce pauvre homme. Vous n'avez pas l'air si méchant, monsieur Clochette. C'est que nous aimons aussi la farce, nous, monsieur Molière. En garde, marquis! Vous voulez encore recommencer? Mais naturellement que je veux recommencer. Pour le cœur des lèvres, cette fois. Oh, oh. Oh. Marquis, vous êtes trop fort pour moi, je me rends. J'ai gagné. J'ai gagné. Hélène ne sera pas à toi, brigand. Mes chers bandits, vous avez là un nouveau chef, le marquis de Vallombreuse. Acclamez-le. Oh, oh là. Un voyageur détroussé. Regarde, Cachou, c'est sûrement l'œuvre des bandits. Où suis-je? Où sont les bandits, les lâches? Ils m'ont abandonné. Je me vengerai. Vous n'avez pas vu une troupe de théâtre, monsieur? Ah, votre Molière a été enlevé. Dieu sait ce qu'ils vont lui faire. Les traces de chariot. Vite, Turlupin, on va les suivre. Molière est certainement en danger. Courez chercher les soldats, je laisserai une piste derrière moi. Et j'y vais, mais je me vengerai. Ils en ont de la chance d'être prisonniers. T'as pas faim, toi? Mais c'est drôle, je vois pas Molière où peut-il être. Je pensais pas qu'ils allaient être si aimables, ces bandits. C'est mon cousin qui va être surpris. Je me demande de quoi il parle.
Sûrement du montant de la rançon. Toi qui notes tout, Lagrange, combien nous reste-t-il sur ton registre? 2735 écus. Je pense que mes comédiens accepteront cette rançon. Mais je l'espère bien, monsieur Molière. Les désirs de madame sont des ordres. Je suis heureuse d'avoir quitté la cour, monsieur Molière. Je n'étais pas faite pour cette vie. Mais j'aurais été bien malheureuse de manquer la comédie que vous deviez y donner. Je connais votre talent. Ce sera un plaisir, madame. Alors, pour notre rançon, nous allons jouer ici la première de l'école des femmes. Aimez-vous votre nouveau royaume, Hélène? Vous ne regrettez rien? Je sais que je serai heureuse avec vous, Clochette. Mais vous ne connaissez pas mon père. C'est un homme violent. Je vous ai aimé à l'instant où je vous ai vue. Mais je suis inquiète, Clochette. L'amiral de Longueville va vouloir me chercher. Il est très puissant à la cour. Il suffit que vous m'aimiez, Hélène. J'ai peur, Clochette. Je vous avais bien dit, madame, que votre candidat était un jeune fou, une quenon en dentelle. À la garde! À la garde! Mais je me suis défendu, je me suis battu. Oh. Même pas capable de veiller sur ma fille. Vous auriez dû mourir au combat. Les galères, s'il est arrivé quelque chose à Hélène. À la garde! Mais je sais où ils sont. Ne m'adressez plus jamais la parole. À la garde! À la garde! Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Oh, dès ce soir. Dès ce soir. Cela vous fait donc tant rire? Oui. Vous voir bien contente est ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation et qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là. Là, là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Ah, enfin, j'ai un prisonnier. Cette fois, plus de vaisselle. À moi les attaques! Allez, marche! C'est bon, c'est bon. Vous énervez pas, d'accord? Je suis votre prisonnier. Ça y est, Clochette, j'ai un prisonnier! Fais-le descendre! Désolé pour l'interruption, Molière, c'est la vie de brigand. C'est ici, voilà le signal. Je vous ai dit de ne plus jamais m'adresser la parole. Ne riez pas, c'est le singe qui m'a pris en traître. Quentin, n'ayez aucune crainte. C'est la mascotte de la troupe, notre cher brigand de souffleurs de bougies. Que personne ne bouge. Laissez partir, mes amis. Quentin, je te présente mon ami le bandit Clochette. Comment? Vous êtes amis? Et l'embuscade? Que la moitié d'entre vous encercle le camp, l'autre me suit. Vous aussi, ma... Il faut vous enfuir. J'ai laissé des traces. Ils vont découvrir votre cachette. Camarade, il faut lever le camp. Trop tard. Ne cherchez pas à fuir. Vous êtes encerclés. Père, dites à vos soldats de baisser leurs armes. Si vous touchez à un cheveu de ces hommes, vous perdrez votre fille. Hélène,
Ma fille, c'est une trahison au roi et à ton père. Mon père, vous vouliez me marier? Eh bien, j'y consens. Hélène, ma biche. Comment? Tu acceptes cette poule mouillée? Je t'interdis. Non, père, je préfère choisir mon époux. Et il est ici. Comment? Un brigand? Qu'il se montre! C'est moi. Moi qui? Pour avoir la fille, il faudra tuer le père. Moi, Clochette, je suis à vos ordres, monsieur l'amiral. Allons, messieurs, allons, vous n'allez pas vous battre. La pièce n'est pas terminée. Oh, vous le saltimbanque! On ne vous a rien demandé. C'est une affaire entre monsieur de Clochette et moi. Clochette, quel nom ridicule. C'est vrai, ça, quel nom ridicule. Vous n'avez pas soif, monsieur l'amiral? Oh, bonne idée. C'est un mari comme vous que j'aurais dû donner à ma fille. Mais justement, monsieur l'amiral, je vous demande sa main. Jamais, Clochette! Quel nom ridicule. Oh non, le roi nous attend. Eh bien, monsieur de Molière, j'ai failli attendre. Oui, je sais, vous êtes confus et vous vous êtes égaré. Soit, mais commencez. Sire, sire! Amiral de Longueville, vous vous intéressez donc enfin au théâtre? Pas du tout, pas du tout. Je viens vous parler de choses sérieuses. Plus tard, amiral, plus tard. D'abord, le théâtre. Comment le théâtre? Quand votre flotte se fait couler par les Anglais, vous n'avez pas un capitaine digne de ce nom. Vous me l'avez déjà dit. Au fait, amiral, au fait. Oui, au fait. Il vous faut un corsaire, un homme de guerre. Je voudrais vous présenter, monsieur, mon gendre, le chevalier... Qu'est-ce que je vais dire, moi, c'est ridicule. Le chevalier La Cloche. Tous mes voeux de bonheur, mademoiselle de Longueville. Je vous fais corsaire du roi, chevalier... Chevalier La Cloche. La Cloche, quel nom ridicule. Sire, nous avons le plaisir et l'honneur de représenter devant vous... une comédie en 5 actes, L'École des Fables. Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière il est fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied de nez, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronne. Pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo.